Alain Brice Zaba Mokimo of the CEMAC Youth Observation Mission and his team, who took part in observing the October 2018 presidential elections, have appreciated the election governing body ELECAM for organizing the election wonderfully and Cameroonians for exercising a sense of responsibility on that day, as there was no confrontation between the civilians and military, something that usually is witnessed in other countries. Du matériel électoral, nous avions noté qu'il était de bonne qualité. Il était disponible et en quantité suffisante. Les urnes, elles étaient transparentes et scellées. Et les isoloirs étaient placés de telle sorte qu'ils garantissaient le secret des votes. Regrettably, two regions of the country, the southwest and the northwest, passing through social unrest, experienced a timid turnout during the voting day. To the observation team, the election in Cameroon was fair, transparent, and democratic, as each polling station had election representatives, members of political parties, and election materials. Ils ne sont pas tous sortis à un moment. Il y a des localités, des bureaux de vote où c'est le matin que les électeurs étaient sortis. Dans d'autres, c'était plutôt en soirée parce que, disait-il, ils voulaient profiter de suivre le dépouillement. Dans le chapitre de regrets toujours, nous regrettons que deux régions qui traversent des situations assez difficiles, à savoir celle du nord-ouest et du sud-ouest, où malgré des efforts dans l'organisation et les efforts dans la sécurité, les électeurs ne sont pas sortis en nombre comme dans d'autres régions, comme dans d'autres localités. Dans ces deux régions-là, le vote a été timide. The team of young observers pointed out that the election on the 7th of October meets international standards and encouraged Cameroonians to register with ELECAM.